C'est un peu une histoire de longue date parce que je montais son père dans les jeunes poneys. J'avais déjà gagné les 4 ans avec lui. Il avait poursuivi sa carrière à la maison jusqu'au gagner le championnat B Elite avec mes élèves. Et bah voilà, il faisait la montée à la maison. Du coup, l'idée c'était un petit peu de fabriquer la relève de son père, mais taille un peu plus grande. On a fait un croisement avec une jument cheval. La père était Isabelle, la mère était Palomino. Je voulais amener un petit peu de couleur. J'avais dit bon bah, je voudrais bien qu'il soit café Palomino et qu'on l'appelle café au lait pour rimer avec le nom de l'élevage. Et là, il est né crème. Mais bon, du coup, on a fait un jeu de mots avec sa robe sur son nom. Et puis, moi, j'étais pas très fan des crèmes et je m'y suis fait. Et puis, même s'il était alezan, je crois que ce serait le plus beau. À 4 ans, il était déjà maxi C, donc on avait hésité au cas où il grandissait à faire le championnat dans les C. On l'avait mis dans les D, il était déjà double sans faute et 3e des 4 ans. À 5 ans, il a fait une saison où il est 100% de sans faute, où il gagne les 5 ans. Cette année, il a fait un petit peu de Ponane, de la P-Elite dans l'hiver, et sur les 6 ans, il est 100% de sans faute, finale comprise. Je dis toujours qu'il est parfait, il est beau, il est gentil. Il fait la monte en main, il est monté par les enfants, il est souffleur et il est toujours sans faute en concours, pas déconcentré, avec toujours cette envie d'aller de l'autre côté sans toucher les barres. Il adore ça.